Allez, bonjour à toutes et à tous! Ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu Anno 2070. Et on se retrouve donc pour cette dernière partie de cette affaire mondiale de grand crash boursier. Je vous avais essayé dans la dernière fois, effectivement, on avait fini la mission intermédiaire et là nous allons attaquer la mission difficile. Donc je vous invite bien évidemment à regarder les dernières vidéos, ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'on va faire, parce que c'est quasiment la même chose, mais en plus difficile. Donc nous sommes partis pour la mission Chute Libre. Alors, installez des responsables tycoon et faites fortune grâce au commerce. Évidemment, comme les résidents vont quasiment rien générer au niveau des impôts, on va un peu galérer. Alors, on est parti. Processus terminé. Initialisation de la procédure de surfaçage. Vous avez fait vos preuves. Mais un défi encore plus grand vous attend maintenant. Vous êtes dans l'ascenseur qui va vous mener au sommet. Allez, nous sommes partis. Donc, cette mission ne devrait pas vous prendre trop de temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut? 100 000 et 1000 responsables tycoon. Ah, ça va pas être simple. Non, c'est contrôle. Coordonnées de la nouvelle. Alors, une île ici, elle est toute petite, c'est pas ce que je veux. Ah, attendez, elle doit être pas loin, il doit y avoir une méga île pas loin. Ah ouais, genre celle-là. Celle-là est pas mal. Localisation de l'île. Celle-là est vraiment grande aussi. L'île du riz, d'accord, c'est les deux îles de départ. Il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse. Je pense qu'on va se mettre là. Ça peut être pas mal. Parce que si je me mets là, par exemple ici, je mets le dépôt ici. Je mets les premières zones d'habitation, la première zone d'habitation par là, que je peux faire tirer un petit peu par là. Ou même par là, la zone d'habitation, je peux attirer jusqu'ici. Ce qui fait qu'on aura largement de la place pour mettre de la population. Ensuite, il faudra vite que je me fasse un entrepôt pour revendiquer l'autre île d'en face. Parce qu'elle est assez grande aussi, ça peut être pas mal. Hop. On va se mettre là comme ça. Ok. C'est y part. On est reparti pour les trucs de base. Hein. C'est un classique, on commence à connaître. Pénurie énergétique Je détectée. Sais. Alors, hop, je pense qu'on va pas avoir assez de concasseurs. On va laisser comme ça. Ensuite, pénurie énergétique. Ah bah évidemment, c'est vrai qu'il me faut le centre en ville. On va caser un centre-ville. On va commencer à en caser un ici. Voilà, assez bas, de manière à ce qu'on tape pas trop dans la montagne d'en face, là-haut. On va le caser par là. Les incitations fiscales ont fortement réduit nos recettes, ce qui va nous obliger à rechercher d'autres sources de revenus. D'accord. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Je commence par à le savoir, hein, ce petit discours. Voilà. Non. Oh là. Je viens de me taper 105 flous en moins. Étant donné que j'ai pas énormément de thunes non plus, faut que j'arrête de déconner, faut que j'arrête de faire les conneries, faut que je réfléchisse un petit peu avant d'agir. Du poisson, on va mettre au moins un truc de poisson, histoire qu'on puisse démarrer. Je vais le mettre le plus loin possible, histoire d'être tranquille. Voilà. Au niveau des concasseurs de granules, où en êtes-vous? Eh bien, largement pas assez d'énergie. Forcément, ça aide pas. Alors, on va récolter un petit peu de charbon. Dégradation du bilan écologique détectée. Oui, je sais. C'est pas très écolo tout ce qu'on fait, mais c'est pas très grave. Je suis à moins 119 déjà. Je suis déjà en train de mourir. Mon bilan est affreux.
Oh là là. Évidemment, j'ai mis le truc dans le mauvais sens. Oh merde. J'ai mis le centre-ville dans le mauvais sens. Non, faut tout enlever. Oh la chiasse. Ouais, bon, on enlève tout, vous savez quoi, c'est pas très grave. Ça me coûtera juste pas mal de... de briques, là. Alors, centre-ville. Dans l'autre sens. Parce que sinon, on peut pas faire continuer les routes sur le côté. Et merde, j'ai pas assez de... j'ai pas assez de modules de construction. Là, je suis en train de perdre la thune, mais alors à mort. Ok, c'est parti. Oh, c'est débile quand même comme comme perte d'argent. Je suis déjà à 26. Bon. Là, j'ai encore perdu un peu d'argent. Voilà, c'est super. J'avais dit que je le faisais précis, mais en fait, c'est pas du tout ça. Alors. On va replacer des bâtiments. Parce que c'est même pas comme si j'en avais placé que un ou deux. Non, non, c'est vraiment, j'ai tout placé. Stupide hobby de Joufflu. C'est vrai que ça donne rien en impôts. Ça donne absolument rien. Sélection de bâtiments étendue. Ah, on commence à avoir le... l'alcool, c'est bien. Donc on se souvient, il faut vraiment qu'on parte sur le... sur le... tout ce qui est... merde. Ah, c'est des grosses îles en plus. Tout ce qui est transaction. Parce que sinon on n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'on... qu'on puisse vendre des trucs. En matière de pétrole, je suis le maître. D'accord, Sokov, t'achètes quoi? T'achètes rien du tout. Ah, ravi de passer un peu de temps avec un nouveau partenaire commercial. Vadim Sokov, enchanté. Je suis pas encore ton partenaire commercial, mon coco. Hein. On s'énerve pas. Parce que pour l'instant, je suis juste en mal de thunes. Coordonnées de la nouvelle île. De manière horrible. Parce que si ça continue comme ça, je vais finir sur la paille avant même d'avoir commencé la partie. Du coup, ça serait un peu débile. Coordonnées de la nouvelle île acquise. Oui, je sais. Localisation de l'île. Alors, on récupère plein de nouvelles îles. Au niveau des concasseurs, on est bien, on est nickel. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs? Oh, c'est bon. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Faut clairement que je mette plus d'habitations. Nouveau bâtiment disponible pour la construction. Ok, donc on a tous les bâtiments de la catégorie ouvrier. Localisation de l'île. Ok, alors. On récupère aussi plein d'îles, ce qui est pas mal. Bonjour. Je suis le professeur Delman Sevi. Au sein de SAAT, nous aimerions établir un partenariat de travail avec vous. Ah, il y a quelqu'un du continent. Ah non, c'est pas le même endroit. Ok. Je m'appelle Thor Strindberg. Ah non, l'autre con là, Thor Strindberg machin là. Le pire cancéreux. Base de bâtiments sous-marins, bah dis donc. Alors, je pense qu'on commence à avoir fait un peu le tour de la carte. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs. Hop. On va continuer de placer des bâtiments. Je suis déjà à 24 000. Oh là 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 là. Scan de la côte inconnue. J'ai vraiment pas d'argent. Je suis le pire pauvre. Je suis pauvre.
Alors, là, il y a l'arc de... des échos. Okay. Bonjour et bienvenue. Je suis Yana Rodriguez d'Eden Initiative. Quel plaisir de rencontrer quelqu'un qui partage nos valeurs. Oui, oui, tout ça, c'est très bien. Mais si tu pouvais me filer de la thune au lieu de... déblatérer des conneries. Ok, d'accord. 41 à 46. 41 seulement, mais ils sont combien? 233, ils me fournissent que 41 de revenus fiscaux, mais c'est débile. Ça va être horrible. Ok. Ça va être complètement horrible. Je sens que ça va être la galère, cette mission. Ça va être la méga galère. Et si je me bouge pas le fion tout de suite pour faire de nouveaux bâtiments, on va pas y arriver. Je pense. Où est-ce qu'on en est au niveau du dépôt? Ouais, si je pense que je peux mettre un concasseur de basalte en plus. Non, pas un concasseur, une fonderie en plus pour faire des modules de construction. On va en avoir besoin. Bon, quand même, je vais continuer à mettre 2-3 bâtiments, sinon on va pas y arriver. Une pêcherie, ok, on en a besoin. On va partir sur une distillerie, je pense. On va partir sur plusieurs distilleries. Où ça? Ça d'abord, et 2 distilleries après. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, on va commencer là-dessus. Alors, on va accélérer un peu le temps. Voilà, ça fournit quand même un petit peu plus de revenus. Quoique, non, bah non. Parce que du coup, le bâtiment me coûtait de l'argent me coûte de l'argent à entretenir. Alors que je l'ai créé. Ouais, c'est pas cool du tout. En réalité, je peux m'estimer heureux que je sois à un bilan aussi bon. Parce que ça va me coûter encore plus cher derrière. C'est combien l'entretien de ces trucs? C'est 5? Ouais. Alors, on va partir dessus. Sans combien? Il faut que je réfléchisse un petit peu. Je crois que c'est comme ça. Un impact environnemental négatif réduit la fertilité. Oui, je sais. Et là, je ne vais plus avoir assez de... Ok, d'accord. Je vais plus avoir assez d'outils de construction. C'est super cool. Je pense que je vais surtout pas avoir assez de... d'engin pour me déplacer. Enfin, d'engin pour récupérer des ressources. Alors, je suis à moins 83. C'est encore pire que ce que je pensais. Et il va falloir que j'achète des... comment ça s'appelle? Des outils. Parce que je suis pas encore passé au niveau supérieur. Ah non, pas la... je vais pas faire la console, non. Oui, je le savais. Quand alors, Trench Coat. Quand Trust ouvre un nouveau secteur, ça sent les bonnes affaires. Trench Coat qui oui, achète quoi? Qui savais. Achète rien du tout pour l'instant. Quand Global Trust ouvre un nouveau secteur, ça sent les... mais il me vend les outils. Toi aussi, tu me vends des outils pour beaucoup moins cher. Parce que lui, c'était 80 la tonne. Lui, c'est 32 la tonne. On va chercher s'il n'y a pas d'autre endroit où il veut vendre des outils. 27 la tonne. Ah ouais. Et 34. On va aller voir du côté des SAAT. Hein. Je pense que SAAT c'est mieux. On va aller acheter des outils du côté des SAAT. Hop. Ok. Essayons de faire monter un peu le bilan hein, quand même. On va pas laisser traîner ça comme ça. Voilà. La compagnie aimerait que vous vous chargiez de cette affaire. Ah, récompense en outils. 4 architectes à Sonat. Avez-vous des questions? Bienvenue à SAAT. Déjà, on va acheter 10 tonnes d'outils, ça peut être pas mal. Et donc, 4 architectes à Sonat. 1. 2. 3. Et 4. Ok, nous avons nos architectes. Dommage que ça nous fournit pas de la thune, mais en tout cas ça va nous fournir quelques outils supplémentaires.
Nouvelle classe de population. Ah, nouvelle classe de population, c'est cool. Donc on va pouvoir créer des outils, mais il faut que je puisse... Non, c'est pas ça que je cherche. Il faut que je les amène où? D'accord, Sheriffus. Donc, nouvelle classe de population, c'est une bonne nouvelle. C'est clairement une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, j'ai de l'alcool qui est arrivé en stock. Pas de travailler dur quand tout le reste va bien. Je suis à moins 32, je suis un peu mieux qu'avant. Voilà. On continue de poser des trucs. Hein. Moins 25. Ah, je suis pas arrivé au bon endroit. Avez-vous réussi? Ok, 14. Tonnes d'outils, j'ai quelques petites licences. D'acheter des objets ou de développer des technologies, ouais, c'est pas mal aussi. Et surtout des outils, parce qu'on va en avoir... Oh là, c'est vrai que j'avais complètement oublié les outils. Merde. Ah, le con. Ok, les outils, j'allais dire qu'on en allait en avoir besoin, parce que ça faisait 24. Mais en fait, ils m'en ont déjà piqué plein en montant d'un niveau. C'est pas ça que je voulais. Moi, il me faut des outils. Pour des outils, il me faut du charbon, donc on en a. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un dépôt, parce que là, c'est en train de galérer. Tant pis, voilà, il va mettre un dépôt. Galérer trop pour récupérer les affaires. On met un dépôt. Pour les outils, il me faut... Tu m'aimerais faire, sachant que un seul ne suffit pas, donc il va falloir aller chercher ailleurs. On va faire ça comme ça. On va faire les outils là-bas. Évidemment, j'en ai pas assez. Je vais encore devoir aller acheter. Super. Super, super. Bon. Continuez de poser des maisons dans tout ça. Ok, il va falloir aussi que je fasse plusieurs distilleries, hein, parce que on va avoir besoin de vendre des trucs, et l'alcool, je pense, peut être une bonne idée. Je pense que l'alcool peut être une très bonne idée. Et je suis à moins 30. Ah, c'est vous. Que peut faire SAAT pour vous? Même SAAT doit financer ses recherches. Oui. Alors. Donc j'ai acheté les derniers... les derniers outils qui lui restaient. Du coup, ça va être encore plus la galère que ce que je pensais. Combien ça me prend le dernier? 3. Ça veut dire qu'il va falloir que j'en rachète auprès de... Auprès du monsieur Rufus Storm qui les achète à la blinde. Bon, c'est super. Je suis passé en dessous des 20 000. Faut pas que je passe en dessous des 10 000, sinon on va vraiment, vraiment avoir des problèmes. Voilà. Ok, les premières productions sont lancées. Continuez à poser des bâtiments. C'est fou à quel point ça produit que dalle comme, comme retour financier. C'est genre c'est taux d'imposition zéro. Ok. Évidemment, j'ai pas fait arriver là où c'était. La compagnie veille sur ses amis à notre fructueuse et durable coopération. Oui, c'est super. Je dois être à moins 1000 au niveau des affaires. Ouais, moins 833. Faut que je fasse 100 000 de fric quand même. 100 000. C'est pas rien. Acquisition foncière par un autre individu. Oula. Ok, c'est la petite île en bas à gauche. Ça passe encore. Alors. Ok, c'est parti. Je pense que là, ça va tourner à fond. Quoique, je pense qu'il n'y aura pas assez de charbon. On n'a pas encore assez d'outils. On va faire tourner un petit peu tout ça.
Oh, je suis à 1600, je suis à 1600, non! Alors, faut aussi que je fasse de la distillerie, hein. Je vais complètement oublier cette histoire. Ouais, il faut que j'en fasse, on voit que c'est ric-rac. La pêche aussi, c'est un peu la galère. J'ai envie de faire ça. Comme ça, ils pourront plus aller récolter autre chose que des... trucs de la fonderie. Donc on sera un peu tranquille à ce niveau-là. Il sera obligé d'aller chercher le poisson. Et puis toi, tu t'occuperas du reste. Alors nous, on va mettre des distilleries supplémentaires. Hein. On n'a pas le choix. Hop. La blinde de distillerie, ça peut être une bonne idée pour vendre des trucs. Faire un peu de thune. Ok. Je suis à moins 86 quand même. Je suis quand même un peu à la ramasse. Oh, 5 et 4. Voilà. Ok. On commence à atteindre quelque chose là. Et je vais autoriser les droits d'ascension en espérant que ça permette de... Bah oui, maintenant ils veulent plus monter de level, je crois. Ils ont plus assez de boissons. Ah, quoique si, c'est satisfait à 90%. Donc normalement ils devraient pouvoir monter de level. Green a des doutes, mais je crois que nous devons tenter le coup. Vous êtes très efficace. Super. Je le refuse, elle me dit, vous êtes très efficace. Ok. Ok, grosse galère actuellement. Moins 102, c'est pas ça que je veux. Bon, zut, Torbidule, il m'a encore piqué une île. C'est pas cool. Il m'a piqué la grosse île. Va falloir que je prenne d'autres îles, hein, sinon on va pas y arriver. Va falloir que j'aille fabriquer un ou deux entrepôts. Voilà, hop, on va interdire les droits d'admission. Opportunité de construction étendue. J'ai de plus en plus de bâtiments disponibles, ce qui est bien. Mais c'est pas ça que je cherche. J'aurais dû récupérer la grosse île dès que je le pouvais. Au lieu d'attendre un peu comme un abruti, on va aller récupérer la dernière grosse île qui traîne. Voilà, c'est bon. Plus ça coûte pas cher. Peut-être même en récupérer d'autres en attendant. Genre je vais récupérer celle-là, même si elle est très montagneuse. Au moins elle doit pouvoir... ouais, elle est blindée de matériaux, il y a moyen de faire des trucs. C'est juste que ça coûte une blinde de faire des... Pourquoi vous développez-vous sur cette île ? Pour mettre la main sur le pétrole avant moi ? Oui. C'est pour mettre la main sur le pétrole avant toi. Donc, on peut passer en autorisation de montée de level. Opportunité de construction étendue. Donc, on a pas mal d'employés tycoon, c'est bien. Par contre, on a clairement un gros problème de déficit. Moins 75, c'est encore la galère. C'est encore pas bon du tout. Ouais, là aussi, ça pourrait être pas mal. Il y a plein de petites îles qui pourraient être vraiment cool à récupérer. Celle-là, il faudra peut-être que je me fasse encore la population dessus. Bon, on va laisser ça comme ça, avec deux autres îles en plus, ça va être déjà pas mal. Là, donc le poisson remonte, c'est surtout la binouze qui remonte bien, c'est cool. On va peut-être accepter la vente. Donc, je vais mettre la vente jusqu'à 30. Et aussi la vente jusqu'à... 30. Voilà. Comme ça, on va pouvoir avoir un petit peu des premiers arrivés du haut. Il m'achète 20 pour la tonne d'actuel. Des premières rentrées d'argent, il va m'en falloir. On va faire arriver le monsieur. Il faudrait peut-être aussi que je vende des modules de construction. Je vois que je suis à 85, autant en vendre plein. Alors. Voilà, hop, on va les vendre, les modules de construction. Je n'ai pas des modules de construction, les...
Alors attendez, j'ai fait un peu de la merde. Capacité de stockage atteinte, oui c'est vrai. Voilà, on va y aller avec ça. Non. Ça sera déjà pas mal, ok. On arrive au niveau des 13 000. Bon alors, tous les ouvriers tycoon sont montés en employés tycoon, en tout cas tous ceux qui pouvaient. C'est déjà pas mal. Voilà, on va continuer d'en mettre encore, hein, bien sûr. Pas hésiter, de toute façon, s'il me faut 1000 quoi, ingénieurs, on va en avoir clairement besoin d'un paquet d'ouvriers pour avoir la base solide sur laquelle on va pouvoir faire pousser, entre guillemets, des ingénieurs. Voilà. On peut pas en mettre plus. On va partir là-dessus. Salut. Hop. Plus de sang. Yay. J'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Mais bon. Vous cherchez uniquement à me provoquer. Oh, mais ils sont chiants dans ce jeu à me courir après le haricot toujours en permanence. Ok. Bon. Lui, il achète quoi ? Du charbon. À 14 la tonne. Les gens commencent à ouvrir. Toi, t'achètes les transmetteurs à 106 la tonne, mais c'est beaucoup. Toi, t'achètes quoi ? Les plastiques. Ah, les plastiques ! Les plastiques, ça peut être une bonne idée de source de revenus. Et toi, t'achètes les armes. Sauf que les armes, j'ai pas franchement envie d'en faire. Du coup, on va peut-être te laisser tout seul. Et toi, t'achetais quoi aussi ? Non, t'achètes rien du tout. Toi, tu t'en fous. Ok, donc les plastiques peuvent être une bonne idée hein, de transformation d'industrie. Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut vendre ? On peut vendre de la binouze, encore que ça n'a pas l'air de monter énormément. On peut vendre de la binouze, on peut vendre des modules de construction. Le poisson, c'est un peu ricrac. De toute façon, il faudra que je fasse des nouvelles trucs de poisson sur des autres îles, histoire de pouvoir en faire venir jusqu'ici. De toute façon, il va falloir qu'on se lance dans la construction au moins du truc de béton. Le béton va être indispensable. Il faudrait que j'en fasse pas mal en vrai. Il faudrait que j'en fasse masse. Il n'y a pas un endroit où il y a des rivières ? Ah, ici. Ici, je fous deux extracteurs de... deux carrières de calcaire. Deux extracteurs de sable à côté. Même pas, je crois qu'un seul extracteur de sable, ça suffit. J'en cale 1 et 2, plus deux usines de béton. Et pof, ça fait des chocs à pic que je peux amener à coup de... Enfin, du béton plutôt, pas des chocs à pic. Ça fait du béton que je peux amener à coup de bateau. Vous êtes prêt pour cette quête ? Ah, oui. 2000. Bon bah, plus tard. Ça y est. 2000, je suis parfaitement pour, surtout qu'on va légèrement passer au positif. Ça me coûtera un peu moins cher comme ça. Par contre, c'est vrai que j'ai pas une attaque de fou. Bim ! Récupérer la preuve et l'amener à Yana Rodriguez, je suppose. Bon, voilà, c'était pas très difficile, ça m'a pas coûté grand chose et ça me rapporte 2000. Avant que les autorités. Ne me dites pas que... Hop, 2300, un peu d'influence, c'est pratique. On est repassé à 16 000. Ouf, c'est vrai que ce genre de mission, ça peut être très utile. Donc, tout ça me dit pas dans quoi je vais me lancer. Il faut que je... Oh la vache, le poisson qui part à une vitesse, c'est un enfer. Il faudrait que je mette un truc pour construire un nouveau bateau. Un chantier naval. Évidemment, il me faut du béton. Ah, je suis un petit peu bloqué. Alors, non, en fait, je suis pas bloqué du tout. Il faut que je réfléchisse un petit peu. C'est assez simple, en réalité. On va transférer tout ça, déjà. Le minimum. Ici. Ensuite...
Basiquement, on va mettre des trucs pour récolter du poisson. On en met 3. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire une arrivée de poisson à partir d'ici. Ensuite, ce qu'il faut, c'est aller chercher tout ça. Là, une fois qu'on est là. Pénurie énergétique. Ah oui, putain, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire de pénurie énergétique. On va caler les derniers de toute façon. Non, hop. Voilà. Ok, voilà. Donc on a une pénurie énergétique qu'il va falloir résoudre un minimum. À coup de ça. Ouais, mais sauf que j'ai plus de thunes. Bon, ok. J'ai plus de thunes. Ouais, je suis déjà passé à moins 106. Oh, les mecs, exagérez pas trop non plus. Hein. J'ai juste installé 2-3 matos sur cette... Oh là là. Et il y a même personne qui veut venir sur mon port, là. Je vends plein de trucs. En fait, non, je vends pas énormément de choses, mais j'en vends. C'est déjà pas mal. Ah, merde. Ouais, 35%. C'est un gros manque énergétique. Mais... Je les ai mis? Oui, je crois que je les ai mis. Ok. Voilà, normalement ça devrait partir. Bilan écologique. Oui, je sais que le bilan est en descente. Allez, là ça va pouvoir partir. Les matières premières nécessitent à être livrées. Bah, elles vont arriver, les matières premières, là, voilà. Il y a du calcaire qui arrive. Ah, bah voilà! Les premiers qui arrivent pour faire de la thune. Bon, par contre, je suis vraiment à la ramasse. À ce niveau-là. Il faut que je construise un deuxième truc de... De béton. Ça, c'est sûr. En plus, avec tout ce que je produis en grès, ça peut le faire. Ok. 5-5. Je dois même avoir trop de trucs. Ouais, c'est bon. Alors, on va ensuite mettre un partenaire commercial. Enfin, une route de commerce. Ajouter une station. Sonate. Décharger. Du béton, décharger du poisson, ajouter une station, Aurélia, charger du béton, charger du poisson, ajouter un navire, le Goliath, et en espérant que ça se fasse vite, elle m'a acheté des modules de construction, ce qui est pas mal, mais elle m'a pas acheté grand chose. Alors, donc on récupère du swapon. Ah ouais, on a besoin de plus d'alcool. On a besoin de plus d'alcool. Clair et net. On va commencer par ça. Je vais mettre un nouveau dépôt. Ça va me coûter une blinde encore. Bon, clairement, il va falloir qu'on se focalise un petit peu sur le commerce. On sent la galère arriver, sinon... Voilà, ça commence à remonter un peu. Corifus va passer par là, d'ailleurs. On voit que je peux vendre aussi du poisson. Je pense que passer le poisson à 30. On va vendre du poisson. Tout le monde l'accepte, de toute façon, celui-là. Ça peut être pas mal. J'ai de quoi me faire un nouveau port pour faire des bateaux. On va faire un navire de fret. Ça m'a coûté la blinde. Ah cool, il m'a acheté plein de trucs. Il m'a presque remboursé mon bateau. Par contre, je vois qu'on arrive un petit peu au bout de l'épisode. Voilà, hop, on va pouvoir changer le bateau.
On vire le Goliath. T'as vu des trucs tout simplement? Ouais, hop. Voilà. Ok, bon, je pense qu'on va arrêter là l'épisode parce que ça fait 40 minutes que j'enregistre. C'est la grosse galère. On le sent déjà, je suis un petit peu plus sur les nerfs avec cette histoire de revenus fiscaux complètement ridicule. C'est risible. Là, normalement, je suis en positif de beaucoup par rapport à ce que j'ai mis. Vraiment, on n'a rien pour vendre des trucs. Enfin, on n'a rien pour produire du revenu fiscal. Du coup, faut clairement qu'on vende des trucs. Faut clairement qu'on fasse ça. Et pour ce faire, bah, bien évidemment, il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent nous acheter des trucs. Ce qui n'est pas franchement le cas jusque-là. Du coup, c'est un petit peu la merde. Il faudrait qu'on regarde aussi les modalités de... Les modalités de vente. Il y a des trucs qui pourraient être intéressants à faire. Vendre du charbon, par exemple. Et les profits rapides. Ce qui ouais, ils vendent exactement la même chose partout. Vendre du charbon pourrait être une super idée. Je pourrais faire, par exemple, un navire qui récupère les marchandises là où elles sont de manière intéressante. Genre, par exemple, ici. Genre, ici, il n'y a pas vraiment de charbon. J'ai pas de charbon en rab. Ok. J'allais dire que vu qu'il y a la production de charbon ici, je pourrais faire des trucs un petit peu plus forts. Mais non. Donc peut-être que ici il faudrait que je vende. Qu'est-ce que je peux avoir en rab? Rien du tout, peut-être le sable. Ça m'étonnerait que quelqu'un en achète, non, personne en achète. Voilà, en fait il faudrait que j'arrive à setup un truc qui achète un objet à un endroit, qui va le vendre à un autre, de manière à gagner de l'argent au fur et à mesure en faisant des tours. Mais c'est pas gagné du tout. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Vous avez vu, on galère un peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce let's play de la galère. Allez, salut à tous, portez-vous bien.